Shalom à tout le monde et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bonjour, partagez. Yes, Kabara Lagado Fante Brai Sodila. Oui, partagez, hein. Partagez la vidéo, partagez. Shalom à vous. Dites-nous d'où vous nous suivez. Teach me, Lord, to know your way. Yes, teach me, Lord, to know your way, to know your truth. Oh Lord, this is my letter to you. Shalom, dites-nous d'où vous nous suivez. Monsieur fils Yves Roland, love you son. Shalom Vanessa Betamba depuis la Grèce. Depuis le Gabon, Alain Lepa, shalom. Bonjour Michou Tilo depuis la France, que Dieu te bénisse. James Jean-Baptiste, shalom à toi aux États-Unis. Michael Asophie, Maroc. Jim de Nazareth, Haïti. Pascal Jato, Côte d'Ivoire. Nathalie Menzi, Lenzi, depuis l'Italie. Yes. Ouais, mon révérend Smauro Temoko, vit longtemps. Depuis l'Angola, Alfonso Valerio Lelo, shalom, que Dieu ait sa main, sa puissante main sur toi. Depuis Aboisso, Meletti, Paul Kofi, soyez tous bénis. Innocent Kena, depuis San Pedro, depuis l'Italie, Nathalie, que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Bien. Come on. Alain Diarra depuis Biélorussie. Grâce Pongo, vous m'attendez à Kinshasa, Anouka 2021. Ouais, je serai là. Rodriguez. Yes. Come on. Kabara daga dala ko mo fambara la daga dala we de la bara la ruten lo
Mama Rosso bati de la bala baroko madala. Partagez, n'arrêtez pas de partager, continuez de partager. Depuis l'Haïti, Wendez feeling Trinilon. Depuis le Gabon, Andy Steve. Yes. Kabato Makabara, la barra la canta. Alain Diarra, depuis Biélorussie. C'est bon. Shalom. Ok, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Dolce Cabana, shalom à toi depuis la France, que la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie, que sa paix soit sur toi et que sa paix soit dans ta maison, dans ton quotidien. Que Dieu bénisse tout le monde. Voilà. Je suis là cet après-midi pour deux raisons. Pour vous faire passer deux grandes informations, pour vous donner nos actualités ici à International Prophetic City. Juste pour vous dire que nous avons... Excusez-moi. Juste pour vous dire que nous avons repris les travaux. Nous avons repris les travaux de l'église, les travaux continuent. Nous avons quasiment fini la chapelle au-dessus. Nous sommes en train de réaménager les bureaux, donc la partie administrative de l'église. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous fait avancer tout doucement. Je viens ici pour vous faire part de cette nouvelle parce que il y a certains parmi vous qui m'ont dit, prophète, dès que vous reprenez les travaux, il faudra nous faire signe parce que nous ne voulons pas passer à côté de l'occasion de s'aimer dans cette œuvre, dans ce ministère. Voilà pourquoi je suis là et j'en parle. Donc, nous avons repris là. Nous sommes en train de travailler. Nous devons faire la peinture extérieure, faire la peinture de dehors. Et puis mettre la pancarte pour la pancarte qui indique que nous sommes là, nous sommes bien International Prophetic City. C'est d'abord la première information. Et dans cette première information, nous lançons cette année le programme majeur de International Prophetic City. International Prophetic City a quatre grands programmes majeurs. Le premier programme majeur qui est notre programme même, qui est le plus grand programme que IPC organise chaque année. Malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas pu organiser ce programme. Mais cette année, Dieu, par sa grâce, nous fait grâce et Dieu, par sa grâce, nous donne l'occasion d'organiser ce programme. Ce programme, c'est Rofeka. 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 Rofeka qui veut dire l'Éternel guérit. Et Rofeka, c'est le programme majeur. C'est un programme de grâce, c'est un programme d'explosion, un programme de victoire, un programme de puissance. C'est un programme de signes, de prodiges, d'orientation prophétique. C'est un programme d'explosion prophétique. C'est un programme d'explosion. Je répète, c'est un programme d'explosion prophétique. C'est un programme d'explosion prophétique. C'est un programme d'explosion prophétique. Tous ceux à International Prophetic City qui ont déjà participé à Rofeka savent de quoi je parle.
tous ceux qui sont fils d'International Prophetic City savent de quoi je parle quand je parle de Rofeka. Et cette année, Rofeka est placé sous le signe de la puissance de la croix. D'ailleurs, le thème, c'est la croix, la chair, le sang et l'eau. Voilà le thème de Rofeka cette année. La croix, la chair, le sang et l'eau. Et nous aurons comme message central de présenter la puissance de la croix et la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. De la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection d'entre les morts. Et ce sera explosif, très explosif. Des gens vont venir de leur pays, de leur nation. Bon, récemment, en décembre, quand on a fait Mahazé, des gens sont quittés en Guinée, d'autres sont quittés au Togo. Des gens vont venir de leur ville, de leur nation, de leur pays. Des gens ont commencé à réserver déjà leurs billets. Des gens ont commencé à réserver déjà, leurs hôtels ici. Ce sera extraordinaire. Je reçois des messages des gens tous les jours. Papa Rofeka, cette année, on ne veut pas manquer. On ne veut pas manquer. Les gens ont commencé à réserver leurs billets. Ils ont commencé à se préparer à voyager. Des gens vont venir de partout le monde. C'est le programme des International Prophetic City. Ça dit que c'est l'événement majeur, en fait. Et cette année, puisque nous n'avons pas fait l'année dernière, cette année, ce sera waouh, ce sera gigantesque. Ce sera gigantesque. Nous allons présenter Jésus dans toute sa dimension de Christ. Nous allons présenter Jésus. Nous allons parler de la puissance de Dieu. Ce n'est que la puissance de la croix. Donc, ne manquez pas. Et la surprise, ou bien... Ce qui va rendre Rofeka 2021 particulier, ce qui va faire la particularité de cette édition de 2021, c'est que nous recevons cette année un orateur qui n'est pas d'ici, qui vient d'un pays de l'Afrique centrale. Un orateur de marque, un très grand orateur, un homme de miracle. Un homme qui ouvre les oreilles des sourds, un homme au travers desquels les boiteux marchent, les fous sont guéris. Un homme de miracle, miracle, miracle. Un homme de signes et de prodiges, il sera avec nous. Et il sera avec nous pendant tout le séminaire. Il sera avec nous pendant tout le séminaire. Rofeka va se tenir sur 5 jours. Ce sera vraiment 5 jours de gloire. Il vient de l'Afrique centrale. C'est un grand homme. Il sera avec nous. Il va nous bénir. Il aura plusieurs autres orateurs. Et il aura votre humble serviteur que je suis, le prophète Baba Uriel. Donc, mettez cela dans vos agendas. Mettez cela dans vos agendas. Les dates vous seront communiquées cette semaine. Toutes les dates. Vous allez voir toutes les dates, tous les renseignements parce que Il y aura des soirées de miracles et il y aura des matinées d'enseignement prophétique sur le prophétique et sur les miracles. 5 jours de gloire. Il faudra te préparer. Ce sera dans le mois de mars, à la fin du mois de mars. 5 jours de gloire, ça sera explosif. Toute la ville d'Abidjan, il y aura des affiches, des panneaux. Et il y aura des... On va faire la télévision. Ça va vraiment exploser. En ligne, des gens seront guéris. En ligne, des gens vont recevoir leur miracle. D'autres vont recevoir leur grâce en ligne. D'autres vont recevoir leur impact en ligne. D'autres vont recevoir le don de prophétie en ligne. Ça va cartonner. Donc, commencez à inscrire cela dans vos agendas. Et la deuxième grande information est que je pars bientôt à Kinshasa
dans l'église de mon honorable père à la porte des cieux pour Hanouka 2021. Je serai là-bas, je crois, ces jours-ci. Je serai là-bas pour un temps prophétique explosif. Je serai là-bas pour prêcher la parole de Dieu, pour enseigner, pour orienter, pour faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire faire la voyance, orienter les gens, prophétiser, bénir des vies. Je serai là-bas pour délivrer des familles, parce que le thème central de cette édition d'Anouka, c'est la délivrance des terres, des maisons et des ADN, je crois. Nous allons être là-bas pour parler de tout ça. Donc, je pars ces jours-ci. Je serai vraiment à Anouka. Ça va déménager. Voilà, c'était votre humble serviteur. Et puis j'oubliais, j'étais en train d'oublier. Nous avions ici, il y a quelques semaines en arrière, promis de reprendre nos Facebook Live d'orientation prophétique. Comme vous le savez, les orientations prophétiques, les temps de prière qu'on avait, on avait démarré, mais je ne maîtrise pas tellement bien mon programme que je promets. Puis après, mon programme change, je ne maîtrise vraiment pas bien mon programme. Mais ces temps-ci, je vais essayer de bien m'organiser parce que la demande est grande. La demande est grande. Les gens m'écrivent pour dire, prophète, pourquoi vous avez arrêté les temps de prière sur Facebook, des temps d'orientation, tout ça. La dernière fois, on avait fait un sondage. Beaucoup d'entre vous avaient dit que ça nous manquait. Oui, il y a aussi la retraite spirituelle. Donc, je suis en train de m'organiser parce que vraiment, les Facebook Live qu'on a où on oriente, où on bénit, il y a des délivrances, des signes, de l'huile sort de la paume des gens. Il y a plein de signes. On a arrêté et ça faisait énormément de bien à la plupart d'entre nous. Et oui, sincèrement, ça manque. Et le Seigneur était en train de m'interpeller là-dessus. Il m'a intimé l'ordre de reprendre ça. Il m'en a donné l'ordre. Et je reprends ça très bientôt. Dès que je reviens de Kinshasa, nous reprenons parce que quand je reviendrai de Kinshasa,